Salam alaikum, on va essayer de faire vite, revenir sur le cours précédent. Donc j'avais eu deux questions du frère dans le cours. On va essayer d'y répondre, mais là, donc je réponds la première dans cette vidéo et on verra les autres par la suite. Donc à un moment donné, le frère il me demande, est-ce que c'est quoi le nom des formes dérivées qu'on étudie? Il y a plusieurs noms, enfin, il y a un nom officiel et il y a un nom que beaucoup appellent. Il y en a qui reprennent le nom de Wazn, ils disent l'Aouzen, mais ça, c'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Elfi al-Mazid. C'est Elfi al-Mazid. Tout simplement pourquoi? Parce que le fi al-Nawan, le verbe, il est de deux types. Il est ce qu'on appelle Mujarrad et il est Mazid. Alors, le Mujarrad, c'est quoi? C'est celui qu'on a vu dans le livre jaune. Et en général, on a vu beaucoup de thulathi, de trilitaires, des verbes à trois lettres. Al-Mujarrad, c'est quoi? Alors, c'est kullu hurufihi asliya la yumkinu l'istighna'u anha an harfin minha. Kullu hurufihi asliya. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacune de ces lettres fait partie de la base du verbe. La yumkinu l'istighna'u an harfin minha. On ne peut pas faire sans l'une des trois lettres. Sinon, la da'at ma'naha. Sinon, le sens du mot, il disparaît. Ok? Et pour avoir des exemples, on a par exemple des verbes qu'on a vus comme dakhala, des verbes simples. Alors, dakhala, on l'avait vu dans le livre jaune. On a aussi Kharaja, par exemple. Kharaja, voilà, ça c'est des verbes, comment dire, mujarrad. Là-dedans, bien sûr, il peut y avoir des verbes avec des hurufs illa. Ça change rien. On peut avoir d'autres verbes comme wahaba, etc. Mais tout cela, on les a vus dans le livre jaune. Un verbe comme Qum, par exemple, qui est à l'impératif. Est-ce qu'on va le mettre là ou il ne va pas faire partie de ces verbes-là? Est-ce qu'il va faire partie d'autres verbes? Eh bien, il va faire partie de ce verbe-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on doit regarder toujours la base verbale de la base de ce verbe-là, qui est qama. Ça correspond à qama. Qama. Et donc en fait, Kama au passé, il s'est levé. Eh bien, comme aussi, il fera partie de ces verbes-là. Mujarrad. Khud, par exemple. Aussi. Khud, il vient de Akhada. Akhada. Bon, là, c'est un petit rappel. C'est un petit rappel. C'est pas ça la base. Donc, ça, on l'a vu. On l'a vu dans le livre jaune. Des verbes ruba'i, on n'en a pas vu dans le livre jaune, mais ce sont des verbes avec quatre lettres. Pareil, si jamais on enlève une lettre parmi ces lettres, le sens disparaît. Comme zelzela, trembler. Zelzela, trembler. Ou comme ba'athara, répandre. Répandre. Ba'athartuhu. Je l'ai répandu partout, j'ai répandu de la poussière par exemple. Voilà, ça c'est des verbes. Si on enlève une lettre, le sens il disparaît, le sens du mot il disparaît. Pareil ici, si j'enlève une lettre, le sens du mot il disparaît. Donc ici, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est celui-là, c'est sur le fi'l al-mazid. Et le fi'l al-mazid, bah, c'est tout simple. C'est mazida ala hurufihi al-asliya, tout simplement. Mazida ala hurufihi al-asliya, c'est un verbe dont on a rajouté des lettres. Sur sa base, sur ses lettres de base. Par exemple, on prend un verbe comme alors je vais mettre ici Dakara. Ok. Ou alors, attendez, je vais voir ce qu'on a dit comme verbe la dernière fois. On a vu quoi? Comme ça, je vais pas vous parler d'autres. Voilà, comme Tawakkafa. Voilà.
Donc, ta Warcraft, sa base trilitaire, c'est Warcraft. On est d'accord? Et ta Warcraft, on se rend compte que il y a des lettres ajoutées. Et bien sûr, ces lettres ajoutées, elles peuvent être soit dans une base de trois verbes, un verbe trilitaire, ou mazid rubai, dans un verbe avec quatre lettres à la base. Et à chaque fois, on peut avoir soit une lettre ajoutée, soit deux lettres ajoutées, soit trois lettres ajoutées. Ou dans le rubai, on aura un maximum de lettres ajoutées. Pourquoi? Parce que un verbe, il ne peut atteindre que six lettres maximum. Tu ne pourras pas trouver un verbe avec sept lettres. Donc, on va prendre l'exemple ici avec Waqafa, comme on l'a vu dans le cours. Waqafa, c'est un verbe mazid thulathi, donc sa base verbale, elle est de trois lettres, Waqafa. Et ici, on va lui rajouter deux lettres. Ta Waqafa, donc on va lui rajouter un ta. Wa. Waqafa. Et la shadda, elle fait office. La shadda, elle fait office de lettres rajoutées. Le tajdid. Le tajdid, il fait office de lettres rajoutées. Et c'est pour ça que, pareil pour. J'avais ici cité ici Dakara, on l'a vu. Dakara. Et Dakara, on a vu le verbe Dakara aussi. Donc Dakara aussi. Ça rentre ici, dans ce verbe-là. The. Dhakara. Je vous rappelle ce que c'est qu'une shadda, c'est comme si on avait deux lettres. Une, la première avec un sukun, la deuxième avec une fatha. Ici aussi, le qaf, une, la première avec un sukun, la deuxième avec une fatha. Donc en fait, ici, on a une lettre ajoutée. Et oui, le dédoublement de lettres, ça fait partie des lettres ajoutées. On va pas le classer ici. Un dédoublement de lettres, ça fait partie des lettres rajoutées. Je vais donner un autre exemple et on va s'arrêter là parce que on va le remplir, on va essayer de le remplir petit à petit. Là, on n'a pas vu l'autre verbe, mais par exemple, akhada, aussi un verbe qu'on va voir bientôt, vu l'autre forme. C'est un exemple de lettres, mazid thulathi, a, kha, akhada, pardon. Akha, akhada. Non, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je fais une bêtise là. Je fais une bêtise, je pensais à un autre verbe. Comme akhraja par exemple. Ça, c'est un verbe qui vient ici, on est d'accord. Je l'avais. Il vient par là. Akhada, il est là. Enfin, on peut le mettre ici, akhada. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Akhada, voilà, j'avais mis là. Mais ici, un verbe rajouté, à part celui-là. Donc, ça, c'est à la wazni. Fa'ala, ici c'est ala wazni tafa'ala, et ici ce sera par exemple, c'est un autre en plus hein, que je vous mets qu'on va voir plus tard, mais je vais pas tous les remplir, on les verra petit à petit. Mais juste exceptionnellement, vous allez voir que par exemple, kharaja, on peut dire akhraja, akhraja, akh, akhraja. On a bien notre base verbale de trois lettres et on a un rajout d'une lettre ici. Qui est le Hamza. Ok? Donc, Akhraja. Pareil, on va le remplir, on va le compléter petit à petit. On aura des fois avec deux lettres ajoutées. Ici, on en a deux. Des fois avec trois lettres. Et ici, je pense pas qu'on va en voir parce que ça fait partie des Rubaï. Dans les livres 1 et 2, on n'en a pas vu. Mais il peut y avoir des exemples. Hein. T'as ici Zalzala, t'as Zalzala par exemple. Taba'athara. Donc, ça serait par exemple. T'as Zalzala, on mettrait ici t'as Zalzala. Taba'athara, etc. Voilà, on peut les mettre même maintenant, mais on les verra plus tard. Et même si je vous les montre maintenant, ça peut être tout embrouillé. Moi, il me restait sur ça. On appelle ça le verbe mazid. Ok? On appelle ça le mazid. Et parce qu'il y a des lettres rajoutées, tout simplement. Et ça, c'est des fi'l mujarrad. Il n'y a pas de lettres rajoutées. Ok? Ça, c'est les verbes mujarrad. Et ça, c'est les verbes mazid. Voilà, ça va être terminé pour aujourd'hui. On verra le reste plus tard, inchallah.